Bonsoir, cher ami Thompsoniste. Alors, hier, j'ai publié une vidéo concernant le test 2 de Scramble en assembleur sur Thomson. Et puis, un des éminents Thompsonistes qui existe dans notre monde, qui s'appelle Sam de Vulder, qui lui a fait des trucs démentiels sur Thomson, notamment TO7, il m'a dit bah oui, mais tu utilises Poutsé, et tu sais que Poutsé, en fait, ça utilise beaucoup de tests et ça consomme énormément de cycle machine. Bon, j'ai pas voulu le croire, je me suis dit, bon, bah peut-être que c'est le cas, effectivement, avec les doublures de l'électrique, machin. Bon, je me suis dit, bon, bah peut-être que je vais gagner peut-être à 20 à 30% sur le truc total. Donc, aujourd'hui, j'ai passé la journée à réécrire le code pour créer mon propre poutsé comme suivant ses recommandations. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, d'abord, je vais vous montrer que, en fait, il n'y a pas de tricherie là. On est bien sur le DC moto en mode 6809 à 1000 kHz, soit 1 MHz. Je ne suis pas dans 6309. Et donc hier, comme on l'a vu, hein, on était à peu près entre 13 et 15 images par seconde avec en étant un écran de 25. D'accord? Donc l'écran de 25, c'est ce qui correspond à la version arcade. La version arcade avait 200 pixels de large. Et là, c'est ce que je voulais émuler sur le mode TO7 et MO5. Donc je vais mettre 25 et vous allez mettre votre chrono en marche. Voilà. Alors, vous avez vu cette vitesse? Le scrolling traverse l'écran en 3 secondes. Hier on était à 7 secondes. Hein. C'est une fluidité incroyable qu'on est à plus de 25 images par seconde. On est à 32 secondes, ce qui correspond grosso modo, sachant qu'il y a 1004 images de défilé, ça correspond à du 32 images par seconde. C'est exactement la même vitesse que ce qui est édité sur la bande d'arcade. Donc je suis hyper satisfait du résultat, et je remercie encore une fois Sam de Vulder qui m'a suggéré l'amélioration. Et du coup, j'avais un autre jeu vidéo que j'ai créé auparavant où j'utilisais des poutsé, et je pense que je vais remodifier l'autre jeu vidéo pour utiliser ceci. Donc voilà, c'était pour vous montrer l'avancée du jeu et que le jeu est très fluide et très rapide. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.